Wafem Salam, coordinatrice académique du projet UIMAC. L'Université de Sousse a accueilli cet événement du 25 au 27 avril à la faculté de médecine de Sousse et aussi dans les locaux de l'Université de Sousse. 30 enseignantes ont bénéficié de ce programme Trainer of Trainer, Soft Skills and Design Thinking avec nos partenaires belges qui viennent de Vives et sous la coordination générale de l'IPEC de Paris. Lors de ces trois jours, nous avons essayé de varier le programme entre formation dans la salle et des visites de terrain afin de, et d'apporter des témoignages d'entrepreneurs qui ont réussi les obstacles et parcouru une expérience unique dans leur parcours entrepreneurial. Hisham Ramdani, Chief in Charge of International Relations Office at the University of Sousse. Also, I'm the Administrative Coordinator of the WIMAG project, the Erasmus Plus Women Entrepreneurs in the Maghreb. The event was animated by our partners from Belgium with more than 30 women entrepreneurs, teachers that were selected by the University of Sousse to attend this workshop. Je suis Sherine Sgaya, je suis coordinatrice au sein de l'IPAG Entrepreneurship Center à l'IPAG Business School à Paris. Je suis également enseignante-chercheure. WIMAG est un projet européen qui réunit divers partenaires au Maghreb et en Europe. L'objectif de WIMAG est de permettre de développer au sein de ces universités une formation à destination de toutes les étudiantes qui souhaitent entreprendre. Notre objectif principal est d'accompagner et de permettre à toutes les étudiantes qui souhaitent entreprendre de monter en hard skills et en soft skills. Janès Daly, maître assistante à l'Université de Gafsa avec la spécialité entrepreneuriale. En fait, l'Université de Gafsa, c'est un partenaire de projet WIMAG Erasmus qui a pour objectif de sensibiliser et de diffuser l'esprit entrepreneurial chez les étudiants. Dans ce cadre de ce projet, l'équipe de l'Université de Gafsa a participé à une formation de formateurs en design thinking et en soft skills. Nous sommes très satisfaits de la formation et surtout de l'accueil chaleureux de l'Université de Sousse. My name is Dimitri. I am from Kortrijk and I work at the Hogeschool Vives. We are a partner in the WIMAG project, which tries to stimulate female entrepreneurship in the Maghreb region. And together with my colleagues from Vives, we have been here at the University of Sousse for a training program on soft skills and design thinking. We have tried to activate teachers in using exercises and methods to improve and develop soft skill competencies among their female students who aspire to become an entrepreneur. Je suis Rabat Arifa, maître assistante en méthode quantitative à l'Institut de Finances et Fiscalité de Sousse. Je fais partie actuellement du groupe WIMAG et je suis une formation en soft skills, design thinking et leadership féminin dans le cadre de ce même programme. Nous avons suivi donc des méthodes d'apprentissage en pédagogie active, innovante et tout. Elle s'est déroulée dans de bonnes conditions de synergie gagnant-gagnant. Je félicite tous les membres de WIMAG. Inès Slema, maître assistante à l'IAG de Sousse. Concernant la formation sur les soft skills and design thinking, cette formation, c'était très bénéfique pour moi et pour mes collègues. Une très bonne organisation, on a fait des excursions bénéfiques, on a vu des cas pratiques des femmes entrepreneurs, donc une belle organisation, une belle ambiance, une belle équipe.